yengekeno bampangi ya luzolo moi owetu bandeko ya grand kasai jambo jambo banduku apenzi bakulaka losako ekio totika ete maw eja aviji mukulu acongo mongali na ngila wamba yala congo okita congo maw eja mungu baba njambe ya mpungu kwatu lendo onia shongo nia muzinda azala na bino pe mabota na banso bisika bozali akoka ko beni sabino ti na 15e generation bozali na yango bosengi eko kisama boko kom boko remarquer que direct kozali sala ko ba mifiti ba fitol bozali ko ko denonce denoncer ango e pa ba oyo bozala si ma mankambu oto sala ka po ba empêcher ce que message ya résistance eleka donc bino batu bozana bison en direct en ligne bofinafina mbuma wana ya rouge ezalaka na nse wana mpo eampeshe teke bavungisi ná banya ngundu bazwa devant sur musala oyo na na ko sala elongo tokutanisu lelo bandeko ba bolingo na tobeta masolo ya congo que awa ezalaka kaka natio congo awa tobeta kaka likambo na mabele kwati kwande depuis tobanda ezalaka kaka ndeng wana Et les lots qui naïent parce qu'il faut te lever, doutes bah, doute, et puis te éclairer, ma bah, certitude, ya y a des de telle manière à que, ma bah, prestidigitateur, ma bah, sémère, bah, pêcheur, en nos troubles, ou, basé, ko y a manipuler population, basé, ko y a intoxique population pour, basé, ma canicie, il y a une pointe pour la pour bon canabon, Parce que j'ai l'habitude de vous dire qu'à 90%... L'État indépendant du Congo est composé d'une masse populaire et masse populaire n'est pas habino, des ali entités mokobwa azako conscients politiquement, les entités oazako ignorés par droit naba devoir et dans la grande majorité la masse populaire ce sont des individus qui ont été mangés du cerveau, bazaba victimes yaba camps de concentration spirituelle, bazaba victimes yaba coliseum, yaba lié au yo objectif naba moins ali y a conditionnement, il y a être congolais pour acoma ako masoso ako mali bata mais jamais ako kakosai la cerveau nae ndenge elongo bani et manipulateur baza ko puliler na réseaux sociaux tous les jours vidéo publication comment et les petits peuples qui n'arrivent pas à déceler le vrai du faux est en train de tomber dans les panneaux pour la simple raison que ces ennemis du Congo ont décidé d'enfoncer encore plus les Congo dans les ténèbres et les abysses du Hades de l'enfer. Et bisoba na bilaka oto zalaka wana to koiko tikaka batuana te baka kubine la ka peuple surtout ba salir héritage oyo bako na biso batike la biso mabelé oto bengaka nation Congo. Voilà pourquoi direct y'a na Benga Moïse Katumbi. Le sacre de la médiocrité est une opposition moribonde accompagnatrice de l'occupation. C'est par rapport à l'actualité la politique qui est Congo. Une actualité politique qui veut entretenir la léthargie populaire dans ce système de l'occupation qui est en train d'abattre un par un les Bantou Congo dans l'état indépendant du Congo, qui est en train de grignoter centimètre par centimètre tous les jours les territoires que nous ont légués nos ancêtres. Et les accompagnateurs de ce système d'occupation sont. Ce que vous savez vous appeler les opposants. Je vous ai bien démontré que dans un système politique qui occupe les pays, il n'existe pas d'opposition, on ne fait pas la politique. Lorsque des individus viennent prétendre faire de l'opposition, faire de la politique, vous devez comprendre que ces individus-là, ce sont des pièces de réchange du système qui sont là pour endormir les peuples, afin d'entretenir l'occupation et de la prolonger le plus longtemps possible voilà pourquoi le système s'est divisé en deux parties asu côté ont le pouvoir asu côté ils ont opposition ceux qui côté au pouvoir et comme en kokoso parce qu'aza kokoki ça au peuple a et que peuple a commis Le système moyen de occupation des impérialiste et qui n'a pioché na opposition mutumoko bo a ko na distraire peuple peuple a ko sa peuple pongi Pongi, Pongi, l'état mandat, il y a éléments à pouvoir et et que Badass n'a pas de les sous, va renouveler machine ya occupation. Voilà pourquoi Bisson a résistant tout de suite le Congo est un pays occupé. Le Congo n'est pas seulement occupé par les proxistes de l'Empire, les proxistes des impérialistes. Le Congo est occupé par la communauté internationale de l'Occident, et en l'occurrence, Nathan et la Rabino États-Unis. angleterre canada france belgique allemagne australie na bamboka na bango misoyamiemike lelo ekomi russie na chine baza na kati e bapoliticien na bino oyo bazali na bino kuna na kinshasa oyo bobenga bango baopposant oleba reveiller peuple oleba eduqe mase populaire acomprendre badroit na ye Pour se prendre en charge, qu'est-ce qu'ils vous demandent de faire C'est ce que nous allons procéder procédure ce qu'ils au pium du peuple. Parce qu'il y a des camps de concentration spirituelle là-bas. Il y a des églises, des temples, des groupes de prière, des cathédrales, des mosquées. Et ces camps de concentration spirituelle, ceux qui sont ils vont gazer l'esprit et les pneus de la nation. Et la nation se retrouve moribonde pour la simple raison que le peuple hola se prendre en charge à réagir comme entité existante le peuple azakozelate yesu ayakobi qui ça yé ça fait 2000 ans tozelaya yesu voilà ayakapété parce que hier mon place Batina n'yé pas bauda ba ndeko na ba crucifier qui est peuple wana azali victime il y a institution de conditionnement c'est-à-dire ba école ba université na bango ezala mboka wana ezala lié à abrutissement longue de manière intense baza ko abrutir peuple oleba enseigner peuple racia raison na a na practicabilité ya mosala oyo ifaut asala ntaki peuple bango baza komema peuple na badistraction ya bagrand-prêtre ya ba honorable ya bamonseigneure ya bapréso ya batitre nyonso o bamipesaka isa fabule de titres qui n apporte rien du tout au peuple et encore moins à notre progéniture parce que existence na biso justifier Nous devons justifier notre existence par rapport aux enfants que nous avons et par rapport à ceux qui vont venir après des générations et des générations. Nous devons nous poser la question tout le temps, qu'est-ce que nous allons léguer à nos descendants une fois que nous ne sommes plus là Et la situation actuelle au Congo est tellement désastreuse que la classe politique congolaise, surtout celle de l'opposition, elle a embarqué les peuples dans un dans un processus qui tend à ramener les peuples vers la mort définitive et ça nous ne pouvons pas accepter cela pour la simple raison que lorsque ba politicien na à au Congo ba za sabino tout ça la réforme et à ben institution lorsque politiciens politicien na au Congo ba za sabino tout se préparer na ba élection na 2023 lorsque ba politicien na binon ya Congo ba za ko lo ba que binon ke to zela to ça la soulèvement populaire ce qui élection est salamité vous devez comprendre tout de suite que vous êtes dans le schéma de l'occupation Objectif Nabangwez Ali, bas à la leadership, pour amener Bino bateau le roi ba Mouton, vers la mort définitive, la solution finale. Ils ont transformé la République à démocratiser du Congo, l'État indépendant du Congo, à un camp de concentration spirituelle, un camp de concentration idéologique, c'est-à-dire vous y allez, vous vivez dans ces pays-là, pour aboutir à la solution finale, c'est-à-dire l'extermination du peuple bantu congo. Et surtout,

oyo bozali nango entant ke bakongo na ndenge nini bokoki kosala po bozwa destin na de, de, de bino na maboko yango omoni ngai nayebisaka bandeko na nga il faut prendre le temps de lire france fanon motu oyo bobengaka leadere esengeli ayebaka aza leadere te parceque une personne ne peut pas conduire le peuple un leader necondwi kede mouton neti bomonaka berger amemaka bamouton eba biso oyo tokoma pour la simple raison que nous ne faisons pas partie. Il y a l'eau, il y a des moutons Bazali. Parce que pour être irréprochable dans une communauté, disait Einstein, pour être irréprochable dans une communauté des moutons, il faut toi-même avant tout être un mouton. Le problème, c'est que nous ne sommes pas des moutons. Nous sommes des ngos, des léopards, des félins Congo. Donc place bamumba baba même bazako sanganda naba leader na bisotokoyawana biso pour te expliquer peuple mais ramener les alliés plutôt panza bango voilà pourquoi nous sommes en train de pointer les doigts à la classe politique congolaise opposition comme pouvoir Arrêtez d'embarquer les peuples dans cette mort-là qui a été dessinée par l'Empire. Arrêtez de distraire les peuples dans un pays occupé demandant des réformes et des institutions de l'occupation. Je repose à nouveau cette question-là la semaine, les deux dernières fois, j'ai posé cette question-là, mais personne n'a daigné me répondre. Dans un pays occupé, les institutions qui sont dans ces pays occupés, ce sont les institutions de l'occupation. Lorsque vous demandez à réformer ces institutions de l'occupation, c'est-à-dire vous êtes un élément de l'occupation qui est prêt à s'accoquiner avec l'occupation pour permettre à ce que cette machine-là puisse continuer son travail. C'est ce qui se passe au Congo. Ces institutions-là qui ont été installées au Congo, ce sont des institutions qui ne sont pas issues de la volonté populaire. Et comment comment toi qui es censé être un leader qui devrait montrer le chemin à la masse populaire au peuple est en train de demander à ce que nous puissions réformer ces institutions là pour réformer les institutions de l'occupation il faut être dans les institutions de l'occupation à l'occurrence les parlements et le sénat parce que c'est là-bas que les lois sont votées Comment est-ce que vous allez faire pour changer ces institutions-là Alors que nous savons pertinemment que les députés qui siègent dans ces institutions-là ont été nommés et aucunement élus par le peuple. Nous savons pertinemment que le président de la République qui doit donner l'ordre de réformer ces institutions-là a été nommé, aucunement élu par le peuple. Maintenant, yo, en tant que leader, lorsque tu viens demander à ce qu'on puisse réformer ces institutions-là, à qui est-ce que tu demandes la réforme de ces institutions-là Au lieu de dire au peuple qu'il est souverain, que le peuple seul peut décider de son avenir, donner les rappels au peuple afin qu'il puisse utiliser son droit de souveraineté afin de faire tomber ce système-là qui abrutit, qui tue le peuple. Toi, tu veux à ce que vous y allez dans des dialogues, dans des conciliabules pour réformer ces institutions-là, c'est-à-dire réadapter l'occupation selon les tourbillons. Selon les vibrations télériques, selon les, la révolte populaire qui est en train de prendre de l'expansion actuellement. Voilà comment ils viennent vous distraire, na ba opposition à Bango. Voilà comment ils viennent vous endormir dans un pays occupé. Et ces démarches-là, nous connaissons ça depuis des depuis 1999, nous avons connu ça. Babanda, Banda na accord accord le 30 décembre. 2016, qui a prolongé le système d'occupation alors que les peuples appelaient au soulèvement populaire, les peuples voulaient l'application de l'article 64. Ils se sont servis de Tshiseke Diwamulumba, les plus grands collaborateur de tous les temps, pour endormir les peuples afin de permettre à ce que l'occupation

et l'occupation prend les devants. Aujourd'hui, Tshilomboiza Azawana au service de l'occupation. Il fait le travail de l'occupation. Il est soumis à l'occupation. Tilombo obéit au doigts et à l'œil à Kagame et à Museveni, à la communauté internationale de l'Occident. Et vos opposants, sans exception, ils obéissent au doigt et à l'œil à Kagame et à Museveni, à la communauté internationale de l'Occident. Au lieu d'obéir, peuple, voilà pourquoi C'est le peuple qui est souverain. Vous devez faire la pédagogie de l'article 64 au peuple afin que ces derniers puissent sortir et qu'ils puissent briser la colonne vertébrale de l'occupation. Et les, pour briser la colonne vertébrale de l'occupation, il faut commencer en premier par rejeter tous ces dealers de conscience, tous ces dilueurs d'opinion. Tous ces mangeurs de cerveaux qui vous abritissent dans des camps de concentration spirituelle, vous avez église, vous avez groupe de prière, dans les partis politiques, tous ces gens-là que vous appelez les leaders, ou les président, des dealers d'opinion, dealers d'opinion, dealers de conscience, des mangeurs de cerveaux, Ils sont là pour vous manger vos cerveaux afin de vous empêcher de réfléchir conséquemment. Pour votre destin et surtout vous empêcher à ce que vous puissiez être un mouvement et que vous puissiez prendre votre avenir entre vos mains. Voilà pourquoi au Liban ils savent. Notons ça l'article 64, ils la constitution parce que Bokondjian, ils ont l'amour, ils ont Bokondjian Lokuta, ça ont Bokondjian Mekato, ils ont Mokondjian Lobu et Aloubeka. Bango, bazar globamno, réforme et institution. N'attoumi les sous Boko ça la réforme et institutions, il y a pays occupés. L'occupation est une œuvre militaire. L'occupation est une œuvre idéologique, une œuvre spirituelle. Lorsque le pays est occupé, la seule façon qu'on peut faire pour faire tomber l'occupation, c'est rentrer dans la résistance, c'est prendre les armes ou sinon mettre la population dans la rue. C'est la population qui peut briser un système. Maintenant, lorsque. olie oyebisa peple atɛlema mpo na mboka elongwa na kati ya ocupation wana yo oza koyebisa peuple abongama mpo na ba elektio na tuni lisusu na 2018 yo anamtu ozosengaa bato baelekio a 2023 bokendaki la elekio na 208 martin faolo oganyaki baelekio na 208 toza na 2021 effetivité pouvor ezali wapi don expérience wana eteyi yo kaka te olingi o ambarke bato lisusu na 2023 pour la même démarshe na2011 Tu sais que de Wamulumba a n'a pas élection? Apola qui n'a pas l'élection. Qu'est-ce que tu sais a gagné qui pardon Kabila a pris les pouvoirs. Qu'est-ce que tu sais que Wamulumba a fait Il a négocié, négocié pour devenir à travers son fils le président d'un pays occupé au service des occupants. Na 2006, c'était pareil. Jean-Pierre Bemba Apollo, Tangwaluka il mouait mouait, il s'est retrouvé dans la haye. vient depuis Abima à comment impuissant. Donc, moi, je ne peux pas la soirée à l'issue. la soirée à Et cette occupation-là a donné le pouvoir à Hippolyte Kanam en de 2011. Depuis 1997, il contrôle ces pays-là. révolté, vous révoltez le peu peuple, vous énervez peu le peuple, vous peu vous êtes en train d'endormir le peuple. Et nous pouvons comprendre que nous 90% de la masse populaire dans le Congo, manger du cerveau. Ce sont des victimes des camps de concentration spirituelle. Ils sont manipulés par des mangeurs de cerveau, par des dilueurs d'opinion et des dilueurs de conscience. Baba Narabango, président, leader, honorable, musicalement parlant, religieusement parlant, et académiquement ou scolairement parlant, le Congo est, des, est une institution de conditionnement. Voilà pourquoi cette classe politique-là, nous l'avons condamné depuis 1960, et je l'ai dit à haute voix, depuis 1960 à aujourd'hui, la classe politique congolaise a péché de ne pas avoir montré au peuple la lumière, les chemins, de ne pas avoir dit au peuple la vérité sur les Congos, de ne pas avoir donné au peuple les outils qui lui permettaient de se prendre en charge. En retour, qu'est-ce que cette classe politique-là a fait Elle s'est arrogé les pouvoirs et s'est accaparée toutes les capacités réflexives du, de la communauté. En faisant croire aux gens que c'est eux qui vont libérer le Congo. Jean-Pierre Bemba, il a pouvoir en 2006, a libéré le Congo. Tu sais que dit, il a Moïse, na 2011, pouvoir Moïse en 2011, il a été pouvoir à libérer le Congo. Martin Faylou, en 2018, a eu le du peuple. Pongi a eu le peuple. Maintenant, peuple a oza victime de er la Quand est-ce que tu vas te décider à te prendre en charge et agir enfin comme un peuple et sortir de la léthargie de la masse populaire, c'est-à-dire une entité inconsciente de ses droits et ses devoirs, une entité non politisée, une entité qui a le cerveau extirpé par des églises, des mosquées, des leaders, des camps de concentration spirituel. Voilà pourquoi ça la vidéo n'a pas ce titre la Moïse Katumbi, le sacre de la médiocrité. Non on bando sur la Moïse Katumbi, parce que tantôt quand on a Moïse Katumbi, vous allez comprendre que les Congolais tellement tombés trop bas que ça donne la gerbe on a envie de vomir on se pose la question mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans l'inconscient collectif congolais qu'est-ce qui se passe vraiment dans la conscience collective congolaise ces questions là doivent se mettre sur la table pour savoir vous avez déjà une poire tu sais que du, et tu es Félix qui est incapable de rien qui à chaque fois qu'il fait ses sorties c'est pour sortir des anneries des bêtises faisant insulter la nation entière et lokola athélique tilombo ko kite Bolingi boya na Moïska Tumbi o ba koleka tilombo donc tilombo za neti médiocrité Moïse Tumbi en dessous de la médiocrité et moi je suis sidéré de voir des gens que moi je croyais être très intelligents, des gens que je croyais avoir l'honnêteté intellectuelle Allez soutenir une telle poire pour diriger le Congo. Lorsque tu vois des gens en train d'applaudir, de chanter, de sucer, de lécher Moïse Katumbi, il faut que vous vous posiez des questions, peuple et congolais, sur ces gens-là qui viennent vous vendre une telle merde. Moïse Katumbi est une poire intellectuelle, c'est une poire idéologique, c'est une poire scientifique. Donc c'est-à-dire, Zoban à niveau vous ne pouvez pas accepter d'avoir quelqu'un qui va diriger le pays avec autant de déficits. J'ai demandé à mes amis de chercher sa dernière sortie chez Gilles Afrique et lisez ce qu'il a dit dans cette interview-là. Et si tu es vraiment congolais dont les ancêtres ont fait couler leur sang pour que tu puisses hériter de ces terres-là, tu ne peux que te à défaut de pleurer. Et comme nous, nous avons, ça fait plus de six siècles que nous faisons que pleurer, nos larmes ont depuis longtemps séché. Voilà pourquoi nous sommes dans la révolte permanente. Voilà pourquoi nous sommes dans la révolution perpétuelle jusqu'à ce que nous allons libérer la nation Congo. La nation pour laquelle nos ancêtres ont fait couler leur sang afin que nous puissions hériter d'un terre qui est lié historiquement. À l'existence même de cette planète-là, parce que c'est au Congo que tout a commencé, parce que c'est au Congo que tout doit être résolu. N'aoki Moïse tumbialobi Congo est en 9 pays voisins. Et la population congolaise n'est pas une population, comment dirais-je, terminer, tizéna, n'a ni, mais pour faire simple, population congolaise, c'est la population de sousté. Donc, c'est la population mélangée, belé, belé, belé. Moutoumoua, kolo, battekaza, kolo, congolais d'origine, n'est pas kolo, bango. Voilà pourquoi, Loa wana, ouéza, pour parler sur l'originalité de la nationalité congolaise, qu'on dit ma, en il est prêt à quitter leur union sacrée des moutons de l'occupation. Et je vois des Congolais qui font suivre ces messages-là sur les réseaux sociaux en disant que Moïse Katumbi et vous avez neuf pays voisins, ces neuf pays voisins n'empêchent pas qu'il y ait des Congolais, des Souches, vous devez bien mettre ça dans la tête. Et lorsque nous parlons de la Congolité, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que ce monsieur-là a de serrés problèmes cérébraux et il a besoin vraiment de retourner à l'école et apprendre les basiques même de, 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 de la politique ou de, 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 de du civisme politique, je voulais dire. Ben, et bien, une loi la congolité quand nous parlons de la congolité je répète nous ne parlons pas de la congolité comme veut vous faire avaler comment il s'appelle l'autre la Noël Chani nous nous parlons de la congolité par rapport à l'héritage terrestre que nous avons et j'ai expliqué plusieurs fois le Congo a été dessiné a été créé à la conférence de Berlin. Et la carte actuelle de la République à démocratisé du Congo, la personne qui a dessiné cette carte-là s'appelle Stanley, Henry Morton Stanley, de son vrai nom John Rollins, citoyen anglo-américain. Et cette carte-là a été dessinée comment Henry Morton Stanley a fait les tour de l'Est à l'Ouest du bassin du Congo, de l'Ouest à l'Est. Et pendant ces campagnes-là qu'il effectuait, parce que c'était des campagnes militaires. C'était pas des campagnes, oh yo, à savoir la pédagogie, non. C'était des campagnes militaires. En soumettant nos ancêtres, il leur a fait signer des documents par rapport aux cheferie territoriales. C'est-à-dire, aye Mabelo a akuti tribu oesalaraa ouais, wah. A zui chef y a tribu on a signé ces moukanda. Mabelé na bine suka wah pitribu. Chef Arimbi, si, Mabelé na bine Henri Morton a dessiné. Et il a fait les tours du Congo en suivant les fleuves du Congo ce que vous appelez les fleuves Congo là, nous a dit Congo en suivant et il a dessiné cette carte là, c'est-à-dire Congo défense Nyango il a été indépendant du Congo en 1885 Henri Morton Stanley bah, a mis ça qui Mikanda oh soit disant bah chef tribu bah chef de territoire oh il y a à défendre bah parce que autorisation il y a acquisition il y a ma belle il on a per la souveraineté à ma a au et au 25 février 1885, il a été acquis la création de l'État indépendant du Congo, au Bobinga, à la République du Congo, Lélo. Maintenant, Harry Morton Stanley a expliqué quoi, à la conférence de Berlin, au chef tribaux, signature Et c'est comme ça qu'ils ont créé l'État indépendant du Congo. Maintenant, par a Henri Morton a contacté qui soki boni boni babango na misère terre virene dans l'histoire de l'État indépendant du Congo bomona ba kombwa ba, ba tribunyo e so ezali ba signataires ba document wana et so bandiko tanga ba tribango romon na nil pa ba tutsi bazala kati nil pa romon na ba zambie ba na kati nil pa romon na ba juifs ba na kati nil pa romon na ba grecs nil pa romon na ba romains ce sont des tribus en 90% 99% pardon je voulais dire qui sont des bantu congo Maintenant, y a Rolobake, congolité, nationalité d'origine. Et z'ali tellement que y a qui issu n'a la tribu, oyo le chef, y a papa, n'a au 25 février 1885 lorsqu'ils ont décidé la création de l'État indépendant du Congo. Ma tribu, mon ethnie, ma population, d'où je suis ici, possédait des terres là-bas. oza kolobama batuke loana eza aberation pour la simple raison ke oza kongola ete papa nao azali yuda grec mama na o azali mobembe ya zambi i fout presiser babembe baza mpe na kongo ya biso ma babembe oyo yakongo na ya y zambi bandemote ba cekifait ke moïse katumbi bandeko na ye bakunda bango na zambi Et au son propre grand frère Katebikato a dit que sa mère était la bonne qui venait des Zambie pour travailler pour nous. quand tu apprends ça, et tu vois cet individu-là qui vient remettre l'originalité de la nationalité congolaise, comme ça, on se avec une facilité déconcertante, vous devez vous poser des questions sur lui qui est en train de dire cela, et surtout c'est sur ceux qui sont en train de vendre cette, ces messages-là qui veulent que Congolité est zalatée. En aucun cas, lorsque nous parlons de la Congolité, nous sommes en train d'exclure un groupement d'individus. De, de, en aucun cas, lorsque nous parlons de la Congolité, nous sommes en train de discriminer un groupement d'individus. En aucun cas, lorsque nous parlons de la Congolité, nous sommes en train de faire une démarche raciste qui fait la différence entre les gens. Non. Ce que nous sommes en train de dire, justement, c'est que nous devons apprendre. À honorer ceux qui nous ont laissé ces terres-là. Et ceux qui nous ont laissé ces terres-là, ce sont nos ancêtres. Voilà pourquoi lorsque nous avons dit fédéralisme ou rien, nous avons demandé à chacun d'identifier qui il est, d'où il vient, de quoi il est l'origine, où sont les terres de ses ancêtres. C'était une manière pour nous, pour identifier Nani, Azanani. Il faut que tu aies nani pour que tu Nani même Et nani aza les félins congo c'est les félins nous sommes les dompteurs des félins et là, tu te poses des questions mais ces messieurs il est sur quelle planète nous sommes dans la dimension mon une dimension et tu te rends compte de l'immaturité scientifique dans le discours on à tel point que tu te dis, waouh, c'est ces messieurs-là qui veulent devenir président de la République à démocratiser du Congo. Et c'est ces messieurs-là qui sont des amis que j'ai respectés longtemps, croyant qu'ils sont assez intelligents pour rappeler à l'ordre leur chef ou sinon lui donner des éléments efficaces afin qu'ils puissent avoir un argumentaire solide. Mais qui n'ont pas arrivé à faire cela lidère na binwa za zo bazali tsinjengo za bolole, bololé tiseke de Félix Leké na Maëlle mais biso ko tiseke de Tomonae et na bolole, a babololé et vous voulez maintenant après qu'Iseng ya tiseke dit oh ya lobaki babanya mulenge bazaba congolais voilà so moi eskathumbi waza kolobaki congolais d'origine n'aza et toi en tant que congolais quand tu es en train de vendre ces messages là qui n'existent pas des congolais d'origine connais-tu tellement l'histoire de ces pays là voilà pourquoi on a -no Masolo installé je répète encore l'État indépendant du Congo l'actuelle République a démocratisé du Congo a été créé au 25 février 1885 et sa création a été justifiée par les actes d'acquisition par stanley. acquisition pas accusation mais acquis donc acte il y a bas propriétaire à terre bas chef coutumier chef de terre bas chef tribun bas pesage autorisation et ces chefs tribaux, ces tribus-là sont répertoriées, elles sont très bien connues. Et c'est ces tribus-là, oh tant que vous allez l'article 10 de la Constitution charte d'occupation de tolobaka vous allez voir comment ils ont fait pour que peuple et qui ont fait la porte, qu'ils ont fait l'individu, Moïse, Kaltoumi, Vital, Kamé, Toulouba, Zarias, Roubaix, Léon, Lobich, Kengoua, Dono, ils ont fait exprès de vous dire que la nationalité d'origine du Congo, est expliqué à partir du 30 juin 1960. Sur so, en article 10 à la Constitution, nous balobi bien que est réputé congolais d'origine. Toute personne qui peut justifier que sa population, son groupement ethnique ou tribal était dans ce qui est devenu au 30 juin 1960, la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi carte sur la Congolité en vous disant que vous ne pouvez pas donner la nationalité d'origine. Au 30 juin 1960, parce que lorsque vous parlez de l'origine, c'est la naissance même de l'entité, de c'est la création de l'entité. Le Congo n'est pas né le 30 juin 1960. Le Congo est né le 25 février 1885 à la conférence de Berlin. Maintenant, si vous voulez avoir la nationalité d'origine, vous devez prouver que votre tribu, votre ethnie, votre groupement de peuples. Était dans ce qui est devenu état indépendant du Congo au 25 février 1885. Votre groupement ethnique, votre groupement de peuple, je voulais dire, possédait des terres dans ce qui est devenu état indépendant du Congo au 25 février 1885. C'est là où commence la nationalité d'origine. Le 30 juin 1960, ce n'est pas l'origine du Congo, c'est l'indépendance du Congo. Mais vos intellectuels, vos professeurs d'université, vos juristes et vos leaders politiques, vos présidents de parcotis que vous avez, sachant cela, ils ont fait exprès de ramener l'origine du Congo au 30 juin 1960. Voilà cette malhonnêteté intellectuelle qui est en train de tuer les Congo encore aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, seule la vérité sauvera le Congo et la vérité doit circuler. Voilà pourquoi je vous dis à haute voix que vos leaders politiques, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ceux de l'opposition et ceux du pouvoir sont des avatars au service de l'Empire. Parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est de vendre au peuple cette super chérie de l'Empire qui voulait faire que le Congo puisse garder sa nature de sa création. Je rappelle, le 25 février 1885, à la conférence de Berlin, lorsqu'ils ont créé l'État indépendant du Congo, ils l'ont attribué... À Léopold II, roi des Belges, et surtout ils ont précisé, état indépendant du Congo, propriété privée de Léopold II, roi des Belges, zone de libre-échange. Pour faciliter ces libre échanges là il fallait que les, les frontières soient ouvertes. Et pour que les frontières soient ouvertes, il faut créer des lois qui empêchent à ce que les étrangers, il faut créer les lois, pardon, qui favorisent à ce que les étrangers puissent réclamer les postes. Des, 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 des décisions de ces pays-là. Voilà là où nous avons ramené les débats en demandant la congolité, en ramenant l'origine du Congo à 1885 et non en 1960. Maintenant, lorsque Moïse Katumbi est en train de vous dire qu'avec ces neuf frontières-là, nous sommes tellement mélangés que personne ne peut s'inventer être congolais d'origine. Si il est incapable, de toutes les façons, il est incapable parce que sa mère est zambienne, son père est juif, donc il n'est pas congolais de souci. S'il faut le dire comme ça. Maintenant, Bato incapable de montrer arbre généalogique Nabino. que il y a des Congolais à l'occurrence Babis Oyo qui sont capables de prouver jusqu'au XIIIe siècle que nos ancêtres étaient là parce que nous avons l'ADN spirituel avec les noms que nous portons et nous savons nous repérer par rapport à la mystique céleste et tellurique que nos ancêtres nous ont transmise. Et cette démarche là, c'est la science, c'est la spiritualité, c'est la politique. Ce que les Bakongo appellent les Makukumatatu. Et ils ont dit Makukumatatu, malam Bakongo. Tu ne peux pas vouloir diriger les Congo en priant Jésus-Christ, en priant Mahomet, en invoquant les ancêtres de ceux qui tuent les Congolais. Et c'est ce que font vos leaders politiques. Tous, tous les dimanches, vous les voyez dans des camps de concentration spirituelle, s'agenouiller sur des individus qui vont leur mettre la main dessus la tête. Et ils vont faire les signes de la croix. Histoire de marteler leur soumission à l'ordre impérialiste et qui saigne ces pays-là depuis plus de, 7 de, de, de 14 siècles, je voulais dire. Moïse Katumbi ne peut en aucun cas prétendre diriger les pays, la RDC, pour la simple raison que il n'a pas les sangs des Congolais. Il est Congolais par adoption, il peut avoir la nationalité par rapport à la, à la loi, il n'y a pas de problème. Mais pour diriger. Il reste avec les Mazembe, avec tous ces... Qu'il reste poissonnier, il n'y a pas de problème. Mais vouloir devenir les présidents du Congo, déjà le fait qu'il est devenu euh, gouverneur du Katanga, c'est un sacrilège. Voilà comment vous insultez vos ancêtres, ceux qui ont péri en faisant couler leur sang pour chasser ces étrangers-là qui les ont soumis pendant longtemps. Vous, vous prenez les descendants de ces étrangers-là, vous leur donnez le pouvoir. Et vous vous posez la question, pourquoi le Congo est encore dans ce marasme aujourd'hui Pourquoi rien ne va au Congo Vous êtes vous-même ceux qui sont en train de vendre votre pays. Vous êtes vous-même, pardon, vous êtes ceux qui sont en train de vendre votre pays. Vous avez pris votre pays, vous avez donné ça spirituellement au sein des étrangers qui ont soumis vos ancêtres. Vous avez pris votre pays sur les plans scientifiques. Vous donnez ça à l'intelligence de ceux qui ont soumis vos ancêtres. Et sur les plats politiques, pareil, vous donnez ça aux étrangers, à la communauté internationale de l'Occident. Et vous vous étonnez que le Congo ressemble au Moyen Âge, que les peuples les congolais vivent comme au XIIIe siècle, qu'il n'y ait pas d'électricité au Congo alors que vous avez les barrages d'Inga, que vous n'arrivez pas à manger alors que ces pays-là, lorsque vous balancez les moukocoli de n'importe quel fruit, la semaine d'après, ces moukocoli là fait pousser un arbre. Vous ne savez même pas la mystique de la terre qui -t -t fait transformer à ce que la nourriture puisse, la terre puisse produire la nourriture. Voilà, vous ouvrez les frontières. Nos politiciens ont pu nous Nous politiciens, so Voilà pourquoi j'ai dit, au lieu de faire la réforme politique, pour qu'on ait l'élection 2023 dans un pays occupé, bien. Apprenez au peuple leur histoire. Apprenez au peuple ses droits. apprener au peuple ses droits apprener surtout au peuple ses devoirs parce que lorsque le peuple prend conscience de ses devoirs plus personne ne pourra marcher sur son nez to mona yango na france o comment un centime babakisana prix ya lia ya essence ba gilet jane Ils ont paralllisé la france pendant des mois et des mois jusqu'à ce que le gupitérien macron s'est agenouillé un peuple conscient de ses droits et surtout qui s'et appliqué ses devoirs balite leadermobobbiaablabala ils se sont pris en charge tout seul maintenan peuple congolais aa abruti na ba camp de concentration spirituele il estdéficient sur leplan spiritel il est déficient sur lepla politq et encorpire sur Des gens qui sont en train de raconter des anéries avec désinvolture. Dans ce moment des gens qui sont n'importe quoi. Des gens qui sont incapables de faire une démarche scientifique qui leur permet de renouer avec la source. Parce que les fils rouges qui nous relient avec notre source a été coupé. Ça a été coupé par les esclavagistes, par l'Empire. Par ceux qui vous ont apporté Jésus et Mahomet au Congo. Et ça fait plus de 14 siècles qu'ils s'assurent que ces fils rouges-là de notre histoire restent découpés. Maintenant, lorsque tu rentres dans la démarche scientifique, la première des choses que tu fais, c'est de remettre les fils à l'endroit, ainsi permettre la connexion entre votre origine, la source, et vous, là où vous êtes, et surtout transmettre à votre futur, c'est-à-dire votre descendance. Aucun politicien congolais ne fait la démarche de parler aux Congolais de leur histoire. Qu'est-ce que le Congo Comment le Congo a été créé Qui sont les créateurs du Congo Et nous, en tant que les Bantous Congo, quels sont nos droits par rapport à cette création-là C'est des débats que les politiciens devaient mener dans leur matinée politique. Au lieu de venir vous parler des réformes et des institutions de l'occupation. Parce que quelqu'un qui se pose déjà la question, qu'est-ce que le Congo ira creuser dans l'histoire du Congo Il va comprendre que le Congo a été créé par des impérialistes qui, avant de faire la conférence de Berlin, ils ont régné pendant quatre siècles sur nos terres, depuis l'autorisation de Nicolas V, le pape catholique, qui a accepté ce qui est déportation, qui est esclavagisme, qu'on vole nos terres, qu'on nous expropie, qu'on qu profane les tombeaux de nos parents. Quatre siècles d'Iran, Mindel, le wana qui 1885 bah déjà donc quand vous commencez à faire cette démarche scientifique là ça vous permet de remonter votre fil rouge et connaître votre histoire et comprendre maintenant les conséquences de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire cette occupation qui est dirigée par les proxys des impérialistes. Et voilà pourquoi je prends toujours la peine de vous dire que ceux qui occupe le Congo, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas l'Ouganda, ce n'est pas le Burundi, ce n'est pas. Et aussi ce sont des victimes idéologiques. Les vrais occupants du Congo, c'est l'Empire, c'est les impérialistes. Les anglo-saxons, les sionistes, les anglais, les américains, les français, les belges, les allemands, les israéliens, les chinois, les russes, les rwandais et tous ces autres-là profitent juste de la faiblesse idéologique, de la faiblesse spirituelle et de la faiblesse politique des acteurs qui devaient mener le Congo vers la lumière. Et ces acteurs-là, ce sont vos politiciens, opposition comme mmh. pouvoir. Vous êtes en train de nous donner des leaders qui sont incapables. De parler de leurs tribus qui sont en train de vous dire que ne parlez pas de Nkongos c'est du tribalisme, et gna gna gna. J'ai vu Martin Fayolou dire cela, mais j'ai tombé des nuits, je me suis posé la question, mais pour qui s'est ces messieurs Ce sont des tribus qui ont donné aux Congolais la nationalité congolaise d'origine même constitution nabino article 10 nabino o ezala lokuta ezakoloba il faut justifier que la tribu nabino groupement ethnique nabino zaki na congo au 30 juin 1960 pose la nationalité congolaise d'origine et tu ne veux pas que je parle de ma tribu voilà ba vatar o oh, mundela tia libino pobafungola pasoire balali sabino pongia babebé ils sont dans la dans le déficit spirituel parce que basambela yaesu bakena na ba église na ba camp de concentration mindele Léopold II a créé des colonies avec l'Église catholique. La, les premiers éléments à force publique, il y a Léopold II, au Bazouya Mindouki, bah au bah a et a été indépendant du Congo selon la volonté de Léopold II, tous ont été issus des colonies catholiques. Et quand tu vas remonter dans l'histoire, sur le comité 1950-1960, tu verras que tous nos leaders qui ont demandé l'indépendance et ceux qui les ont assassinés, ils ont ici soit des écoles catholiques, soit des institutions militaires occidentales. Maintenant, quand tu comprends cela, tu identifies qui est ton ennemi, qui est le vrai ennemi du Congo. Et Moïse Katoum viendra vous dire que les Congolais est tellement mélangés que les Congolais d'origine n'existent pas, cette loi-là c'est une loi raciste. Comment ça se dit dans ça, En quoi est-ce que c'est -ce une loi raciste Dire que pour diriger le Congo, il faut être des pères et des mères congolaises. En quoi cela est raciste T'as l'air à dire que c'est déficit déficit, c'est un amoutou amoutou, Moïse Katoum. Il y raciste. Il y en a tous ici, il n'y de Moïse Lorsque nous demandons ainsi que ceux qui dirigent le Congo soient des Congolais d'origine, nous rendons hommage à nos ancêtres qui sont morts pour que nous héritions ces terres-là. Si les Lumumba, les Kasavu, les les Kimbang, les Panda les et tous nos ancêtres méritants qui ont lutté pour que nous puissions avoir l'indépendance ont dégagé ces étrangers-là. Je ne vois pas pourquoi vous allez demander à ce qu'il y ait des lois qui permettent à ces étrangers-là de reviennent au pouvoir. Voilà pourquoi tant que les belges, les américains, le pouvoir de la Congo, ils sont allés à la conférence de pour vous pondre cette constitution au Bima 1964, où il y a nationalité, libata, en ouvrant les frontières. Ils n'ont jamais voulu débattre sérieusement sur ces questions-là. Yo, leader politique ici. Moussala yo mission à Ezalini. Mission à c'est entretenir occupation. Donc, si on entretenir l'occupation, parce que nous sommes les porteurs du flambeau sacré. Et nous allons cet orse-là qui va illuminer, qui va allumer, éclairer chaque individu. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, je ne répète tout le temps, les premiers ennemis du Congo, c'est les politiciens congolais. Le Congo est en train de mourir aujourd'hui à cause de ses politiciens, ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui sont dans l'opposition. Donc, ceux qui ont bêta science, bêta spirituelle, bêta politique, automatiquement tu te retrouves le cerveau mangé. Voilà pourquoi vous allez vous agénuer dans des camps de concentration spirituelle. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous y allez pour prier, prier, prier. Et plus vous êtes en train de prier, plus les Congolais sont en train de s'enfoncer, plus ils violent, plus ils tuent, plus l'inanition de la nation approche. Mais vous n'arrivez toujours pas à comprendre. Les mêmes personnes qui vous ont embarqué dans les bâtons en 2006, qui vous ont fait mordre la poussière avec la même procédure, vous avez répété en 2011, vous avez répété en 2018 et maintenant vous voulez répéter en 2023. En 2018 Martin Follet non il la machine a voté. Il a fait des déclarations contre la machine à voter. Ça ne lui a pas empêché d'aller aux élections et accepter ces résultats là alors qu'il s'est affabulé le titre de commandant du peuple. Voilà pourquoi pour il a Essaï Bango ce a que l'élection en 2023 moi, je vais faire de tout mon mieux pour nemo dans à candidat. Parce qu'il est le seul malade qui soit capable de taper sur la table sur le à mon Sabino Makambo. Parce que si vous avez un dans vous pouvoir en 2018, Congo. Nous n'avons pas besoin de catholiques, nous n'avons pas besoin de chrétiens, nous n'avons pas besoin de manger du cerveau des camps de concentration spirituelle ou ceux qui sont issus des institutions de conditionnement de l'Empire dans notre pays pour nous diriger. Et surtout, lorsque nous parlons de la Congolité, il ne s'agit nullement de l'exclusion, il ne s'agit nullement du racisme, il ne s'agit nullement de la discrimination. Il s'agit juste de rendre hommage à la volonté de nos ancêtres, ceux qui nous ont légué nos terres que nous détenons aujourd'hui. Nous, -à nous Congolais non, des Congolais. Congolais. Et la chance, Lucas interview. Où Moïse Katumbi a sali la Jeune Afrique. tanga Makamu Alobi, au à prendre le danger de na qui na Congo. Donc, si l'on veut, on bien. L'autre est là quand il va arriver, ça sera pire. T'as l'air de Balimbi ça va Balimbi ça va John Numbi, Balimbi ça Matata Ponyo, tous ces gens-là qui sont accusés de massacres et de meurtres au Congo, ils demandent à ce qu'on les pardonne. John Numbi est responsable de plus de 3000 morts et de massacres au Congo. Ou est que Floribert Chebea Akufa Fidèle Et toi, un leader politique qui n'a jamais compris que la justice est rancunière, tu viens dire aux gens, il faut pardonner John Numbi. Tu viens dire aux gens de pardonner Kalev. Tu sais combien de gens Kalev a tués dans les prisons de Kinmazia avec l'air aner. Matata Pogno, tu sais combien il a volé dans les caisses de l'État congolais pour demander à ce qu'on puisse pardonner. Voilà réalité au que je suis là pour vous, je ne le pas là je suis Parce que moi quand je vois Kalev, quand je vois John Numbi, normalement il y a 3000 adeptes de sont venus à Congo en 2007. Normalement il y a Floribère Chebea, normalement il y Fidel Bazana et plein d'autres personnes qui sont mortes. D'ici John Numbi est na pour vous. Kalev Oyo, il est là pour yo Il est ba pour vous. Donc, quelqu'un qui veut diriger le pays qui ne sait pas que lorsqu'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Lorsqu'il n'y a pas de justice, la machine étatique ne fonctionne pas. Parce que ça Rolim à responsable là meurtre, il a tué des gens. Et ces gens-là, pour que leur âme puisse retrouver la lumière, ont besoin à ce que la justice s'applique. Quand tu pardonnes une personne qui a tué et qui n'y pas eu de justice, c'est-à-dire les âmes des personnes que cette personne a tuées vont devenir être en errance dans la nation. Et vous vous étonnez que, comme bah, Kinshasa, bah, kuluna, bah, Fazer, bah, fulu, toutes les perversions inimaginables et indicibles ont élu résidence au Congo. Ça vous étonne Vous avez été habitué dans ces lois, dans ce dans ces mode de vie de laxisme impossible, dans ces, dans ces mode de vie d'impunité. Et maintenant, vous venez nous vendre un leader qui est capable de dire qu'il n'y a pas besoin de justice. Bolimbi Bolimbi Kabila c'était mon ami. Et vous voulez que nous nous alignions derrière cette personne qui est en train de dire que Kabila était son ami Kabila c'est son ami, n'a jamais eu de problème avec lui. Alors que nous les Congolais, nous avons des comptations imprescriptibles avec Kabila et son régime d'occupation. lorsque vous voyez Moïse Katoumbi vous dire comme ça, Balimbi, John Numbi, ça ne vous révolte pas, Congo. Plus de 3000 adeptes ont été massacrés en 2007 par John Numbi, sous ordre de Hippolyte Kanambalas-Kabila. En 2007, Floribert Chebe, Fidel Bazan, Anti, le long de raté, c'est John Numbi qui les a tués. Et toi, tu viens me dire que Moïse Katumbi, dit leader d'Ambi Sazole, va bien. À un moment donné, vous devez comprendre que la justice est rancunière. La justice ne pardonne pas. Les individus, les victimes peuvent pardonner. Mais la justice ne pardonne pas. Ce qui est vrai, c'est que la justice est rancunière. C'est na yo t'as soi-même osé dis embarquer sur lui ans parce que tout Belaghi parce que tu as coopéré mais aucunement dans le balouko on s'est dit pardon ton limbi soi-même en balabala t'as mal à lire vraiment vous êtes dans l'Europe ici beaufain dans la Etats-Unis beaufain dans la grande dans la Belgique et vous savez pertinemment les Etats-Unis chez électrique etzala vous savez pertinemment que la France a un balimbi sacré et si oyoka muntu batangi akébe na tout Belaghi et si oyoka muntu a yibi la France tu abomi mouton tout en France, ton États-Unis accueilli n'a juste la tribunal la justice à Sambi à cinq pardon minga dans ça qui en bobilon yom to bonner balto ou ibaki to limbi sonnga ndako et toi tu es en train de dire il faut pardonner et c'est toi cette personne là qui ils sont en train de nous vendre comme étant mutoako comme un président potentiel potentiel en RDC Hermo to et tu faire travailler à cerveau. et notre devoir se trouve à ce niveau là voilà pourquoi nous sommes en train de taper sur l'opposition congolaise qui est en train d'endormir les peuples congolais comme pas possible. Ça fait plus de 25 ans que les congolais sont endormis à cause de leurs leaders politiques qui vous embarquent toujours dans des processus, des élections, des élections qui ne montrent jamais les résultats, les vrais résultats de la volonté populaire. Et pour la quatrième fois, tu vois, il y a si on a si on quatre fois, on a Et vous ne devez pas prendre les peuples comme des cruches indéfiniment. Voilà pourquoi la révolte de l'esprit qui nous habite nous oblige maintenant à tirer sur tous les politiciens congolais sans exception. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous dire, lorsque vous attendez quelqu'un venir vous parler des élections en 2023, sachez qu'il est au service de l'occupation. Lorsqu'on vous parle des réformes des institutions de l'occupation, c'est au service de l'occupation. Le seul discours qui peut être potable aujourd'hui, c'est le discours qui incite les peuples à se prendre en charge. Voilà pourquoi je vous dis toujours, dans les chartes de l'occupation que vous appelez constitution, il y a l'article 64 qui dit à haute voix. Tout Congolais a le devoir de mettre en échec un individu ou groupe d'individus qui prend les pouvoirs par la force ou qui exerce en violation de la constitution. Si vos leaders politiques commencent à faire la pédagogie là-dessus et que les peuples comprennent que ce n'est pas un droit à l'article 60 mais c'est un devoir constitutionnel, ces peuples-là vont se prendre en charge. Voilà pourquoi ces leaders politiques, sachant qu'ils eux ici, et aussi vont tomber. Dans la frappe de l'article 64, il continue d'entretenir la léthargie de la nation en inoculant l'opium comme pas possible en collaboration avec des camps de concentration spirituelle, avec les dealers d'opinion, avec les dealers de conscience et les dealers d'opinion. De, 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 des leaders politiques, les politiciens, de l'opposition comme des pouvoirs, des bah, leaders d'opinion, des vidéos, des pasteurs, des professeurs, des musiciens des gens qui viennent pour vous distraire, âme, des armes massives d'endormissement. Et nous n'allons pas laisser cela indéfiniment continuer. Voilà pourquoi nous avons commencé la mobilisation tous azimuts contre les politiciens qui travaillent pour le système et ceux qui travaillent pour que l'ordre de l'occupation puisse continuer. Et nous allons faire ce travail-là, nous allons taper même sur Dieu les peurs. Les